tourne bien. J'étais en train de faire des cure-dents avec ta machette. Tu viens m'aider? Non. On a autre chose à faire. Comme quoi? Finir les enfants passage. Ça fait des décennies que tu l'as pas fait. T'es le père Fouettard, bordel. Tais-toi donc. Je vais pouvoir enfin réaliser mon œuvre, celle que je convoite depuis tant de temps. Elle merde, elle. Non, j'ai conne. Je compte que tu parles en fait. Parle du stalomètre. Le stalo quoi? C'est encore une de tes merdes comme le test de Stallone? Non, pas exactement. Mais grâce à ça, je vais progresser rapidement. Je comprends rien à ton charabia. Tais-toi. Et regarde. Mais nous sommes censés être au Vietnam. Sur cet aéroport militaire reconstitué pour les besoins du film Rambo 2, règne une très vive activité. Et voici Rambo, l'homme invincible qui va changer le cours de l'histoire. Aux États-Unis, 1985, juste avant le tournage de Rambo 2, et ben en fait j'ai créé une machine qui s'appelle le stalomètre. Cette machine permet de comparer sa musculature, son charisme et un tas d'autres facteurs en rapport à moi, pour savoir si vous êtes aussi baraque que moi. Et franchement, ça marche du tonnerre, mais pour l'instant c'est que des plans. J'ai pas encore déposé le brevet, c'est assez compliqué. Et regarde, il est beau mon plan, hein. Eh, il est magnifique. Ouais, et puis, par contre, ça marche avec un cadran, avec une aiguille. Et ben, si l'aiguille elle est à 0, ben, vous êtes très loin d'être comme moi. Mais si ça fait entre 0 et 1, ben là, vous êtes assez baraque, mais pas comme moi. Ah, par contre, il n'y a que moi qui fais un Stallone. Et si vous faites plus de 1 Stallone, ça c'est quasiment impossible, y'a que Schwarzenegger qui arrive à faire ça. Et ben ça veut dire que vous êtes plus baraque que moi, et ça c'est sacrément impressionnant. Là je vous tire mon chapeau, hein, je vous dis bravo. D'accord? J'ai essayé de construire le stalomètre à partir de tes plans. Quoi? T'as essayé de construire le stalomètre, fils de pute? Qu'est-ce que je t'avais dit sur mes plans, putain? On ne touche pas à mon plan du stalomètre. Je suis désolé, franchement, mais je pensais pas que tu t'énerverais comme ça, c'est n'importe quoi. Ouais, tu touches pas à mes plans, bordel de merde. C'est une machine très dangereuse, alors personne n'y touche, t'entends? T'entends, c'est dangereux. Alors, couteau dans la gueule si tu continues. Oui, mais en fait, par contre, si on l'utilise avec de la testostalone, vous savez, ce mélange d'ADN et de testostérone qui vous rend baraque d'un coup. Bah, si vous l'utilisez avec cette machine, en théorie, bah, vous allez devenir aussi baraque, mais comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir d'être aussi baraque que moi, et ça mon gars, c'est ultra dangereux. Parce que vous imaginez, être aussi baraque que moi, je vais avoir beaucoup de concurrence, et ça c'est déloyal mon gars, c'est déloyal. Alors faut arrêter les conneries, hein. Bonne technique. En justicier solitaire et musclé, Stallone a conquis le public américain. Aux États-Unis, Rambo 2 bat les records de recettes, on parle d'1 milliard de nos francs actuels en un petit mois. C'est vertigineux. Bon, assez parlé de ma machine, maintenant je vais vous parler un peu de mes films. Alors, le premier film que j'ai fait était un film pornographique. Hey, laisse, tu fais chier, c'était intéressant. Tu vois de quoi je veux parler maintenant? Ouais, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Le père Noël m'en empêchait, il disait que c'était trop dangereux. Mais quelle patringue. Mais maintenant qu'il est plus là, j'ai récupéré l'argent de nos anciennes vidéos. Ah, c'est qui ça sur internet? Ah oui, c'est ça. On va faire quoi maintenant? Voilà. Attends-moi ici, je vais au magasin des livres, au bibliobus, pour le stalomètre, tu vas voir, je vais me cultiver. Et promis, je te ramène ton tom-tom et nana. We'll be right back.
On comprend rien, ce bordel. Hey, t'es obligé de foutre ta musique à fond quand tu passes. Ta gueule. Il est enfin prêt! Ah, t'as fini le stéréomètre? Ah, je peux voir, je peux voir! T'es prêt? Tu vas en faire quoi maintenant? Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself. Regarde ce que t'as fait. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Je vais m'en servir pour devenir l'homme le plus fort du monde. Tu vas faire un Stallone? Non, deux Stallone. C'est pas possible, c'est même pas conçu pour ça. T'y arriveras jamais. J'ai pas passé 30 ans à bosser là-dessus pour faire mon faible maintenant. Bon écoute, je vais te chercher de la testostalone. Comme ça on va faire fonctionner la bécane. Surtout, n'utilise pas cette machine. Elle est la cause d'une apocalypse future. Ma mission est de la détruire. Écarte-toi. Va te faire foutre. C'est comme tu veux. C'est quoi ce bordel? Donne-moi ça. Tant pis pour toi. Touche pas, si tu veux vivre. Viens un peu voir, j'ai des choses à t'expliquer.